Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit outil qui est un départoir. Un départoir va nous servir à faire des planchettes à partir de troncs. Autrefois, c'était très utilisé pour faire de la planche. Moi, j'ai voulu en faire des petites planchettes. Alors, c'est un petit départoir. Normalement, effectivement, ils sont plus gros avec des manches et surtout la jonction ici plus conséquente. Je m'en ferai peut-être un plus grand, je sais pas. Celui-ci, c'est un premier que je fais. Je suis parti d'acier classique, d'un fer plat. Le problème, c'est que je me suis renseigné que l'acier traditionnel n'a pas assez de carbone pour pouvoir être trempé. Et donc il sera beaucoup plus fragile. Je le testerai, je verrai ce que ça donnera dans le temps et je vous ferai un retour plus tard quand j'aurai fait, quand il aura pas mal travaillé. L'idée, c'est de partir d'un petit tronc comme ça, puisque c'est un petit départoir, c'est pour des petites sections. Je vais avoir des branches de pruniers, de noisetiers, de cerisiers à couper. Et je me suis dit que je pourrais en faire peut-être de la planchette, de la petite planche pour pouvoir faire des incrustations, des petits décors, etc. sur différents projets. Une fois qu'on passe au départoir, eh bien, on va avoir des planchettes. Notre tronc est reconstitué comme ça, comme un plot en miniature. Et ensuite, celui-ci vient d'un bois qui était déjà sec. On peut le raboter et on obtient une petite planchette. Et de cette petite planchette, on peut en faire des incrustations, des papillons, etc. pour retenir les fentes. Enfin, on peut en faire pas mal de choses. Je vous laisse sur les images de la réalisation et on se retrouve à la fin puisque j'aurai quelques petites choses quand même à dire là-dessus. Allez, c'est parti.
Celui-ci, c'était un morceau qui était sec. Hein. Après, je testerai sur du bois vert. Il faudra bien sûr que je retire l'écorce. Je voulais attendre de voir si ça fonctionnait avant de le faire. Après, c'est plus simple à retirer quand la bûche est entière. J'ai pris un morceau de bois sec. Comme ça, on va pouvoir tester, voir ce que ça donne si je la prépare, celle-ci. Et voilà, mon tronc est reconstitué. Bon, je vais essayer d'en faire des planchettes maintenant, c'est pas forcément gagné. Et voilà. Alors, je suis parti d'un tronc comme ça, de noisetier, que j'ai débité en planchette avec le départoir, pour ensuite le raboter et en faire une planchette. Bon, et bien voilà, on touche à la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser, il y a quand même une chose qui est assez importante, je trouve. C'est que, si jamais vous essayez de reproduire ce départoir et que vous voulez faire la même chose avec des petites sections comme ça, essayez de partir sur des sections d'au moins 20 cm parce que celles-ci, elles sont moitié trop courtes pour pouvoir passer à la dégauchisseuse et à la raboteuse. Dans l'idéal, c'est de pouvoir les passer sur la dégo et la raboteuse parce que nettement au rabot, c'est long, c'est très long. Pour obtenir quelque chose de droit, c'est très long parce que la forme ne sera pas homogène, c'est-à-dire que là, elle est bien droite, mais à l'autre bout, vous voyez, il y a une bosse assez importante à retirer. Donc honnêtement, faites-les d'au moins 20 cm. Donc après, ça dépend de la rabot d'égo que vous avez. Mais l'idéal, c'est que ça fasse au moins la longueur entre le rouleau d'entrée et le rouleau de sortie au niveau de la raboteuse. Voilà. Vous prenez cette longueur-là en référence, vous les faites de cette taille-là minimum et vous pourrez les dégauchir et la raboter en toute sécurité sur votre machine. Voilà. Et bien, écoutez, le noisetier, je trouve ça plutôt joli. Voilà, ça c'est ce que je viens de faire avec la hachette. Bon là j'ai pas pris assez épais, néanmoins je peux en sortir une de 5 mm. Ouais bah honnêtement, je crois qu'en fait c'est tout aussi simple à faire avec le hachereau et ce sera plus résistant. Je trouve que ça fonctionne mieux au hachereau parce que je peux taper avec la massette, alors que sur l'autre, si je tape avec la massette, en fait j'ai essayé un coup et c'est vraiment pas joli. Hein. L'acier s'écrase tout de suite et ça l'abîme aussitôt quoi. Il faut vraiment un acier avec du carbone qui puisse être trempé, parce que ça, c'est de l'acier classique. Et ce qu'on m'a expliqué, parce que je me suis renseigné, je ne connaissais pas grand-chose, je pensais qu'on pouvait prendre n'importe quel métal, le tremper, et après, en fonction du métal, la résistance était plus ou moins forte. Sauf qu'en fait, il faut un taux de carbone, il faut du carbone dans le métal, et que dans l'acier traditionnel, il n'y a pas ou quasiment pas de carbone. Et donc, si on le trempe, il sera très cassant. Je voulais en faire un gros départoir et au final, je pense pas que je vais faire un gros départoir parce que l'acier sera pas assez résistant. Voilà. Bon, bah écoutez, ça peut pas être une réussite à chaque fois. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain et avec une vidéo qui sera une meilleure réussite. Allez, je vous souhaite un bon dimanche si vous la regardez le jour de sa sortie. Sinon, bah, une bonne semaine et puis à dimanche prochain. Salut !